Salomé et Lydia, deux étudiantes en soins animaliers, sont bénévoles au Rêve d'Abby depuis quelques mois. Toutes deux amoureuses des animaux, elles ne se voyaient pas travailler dans un autre secteur. Moi, quand j'étais petite, je voulais pas de cadeaux aux anniversaires, je voulais pas de Playmobil. Moi, je voulais des livres sur les animaux. Quand on a eu la télé, par exemple, moi, je voulais les chaînes sur les animaux. J'ai toujours eu, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours occupée des cochons d'Inde, par exemple, chez moi, des lapins. J'ai toujours eu vraiment un grand intérêt. Et c'est dans une continuité, c'est quelque chose de toute une vie. On le sait, quoi, on est fait pour ça. Et moi, je sais, c'est vraiment les animaux et les aider. Que ce soit pour nettoyer les box, nourrir les animaux, leur donner de l'eau, quand elles sont ici, Salomé et Lydia se sentent utiles. On sent qu'on aide les animaux. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment, vraiment important, même rien pour soi, pour l'estime de soi ou quoi. Je trouve ça vraiment cool. Et puis, même s'il y a des moments plus difficiles, il y a aussi la joie de voir ces animaux évoluer positivement après leur arrivée au refuge. Moi, je suis heureuse de venir ici le matin et de me dire « Ah, tiens, lui, il a avancé. Lui a moins peur des humains. Ils vont enfin pouvoir avoir une famille. » Ou alors quand on me dit qu'un animal a été adopté, forcément, ça fait plaisir aussi. C'est bien qu'il y ait des refuges qui leur offrent une seconde chance. Des liens importants se créent entre les bénévoles et les protégés du Rêve d'Abby. Beaucoup font le pas de l'adoption, comme Jérôme. Avec sa compagne Zoé, ils ont déjà adopté un poney et 3 moutons. Il y a des liens qui se font avec les animaux, quoi, qui arrivent d'un coup comme ça, qu'on ne sait pas expliquer, un peu comme quand, avec des autres personnes humaines. Et du coup, voilà, c'est une évidence en fait de vouloir les adopter et du coup d'être avec eux toute leur vie. Quoi. Bénévole depuis 1 an, Jérôme travaille au refuge, mais souhaite aussi participer aux saisies pour venir en aide à des animaux comme Carmen et Delphine, arrivés fin 2016. Ce qu'on ignorait, c'est qu'il y en avait une des deux qui était enceinte. Et elle a accouché en septembre de l'année dernière. Et voilà, maintenant, Titane a quelques mois. En effet, il est en pleine forme et c'est chouette aussi de le voir grandir ici sans avoir connu de maltraitance. Parmi les animaux de ferme, il y a aussi Gâchette, un sanglier arrivé très jeune au refuge et qui a tout de suite plu à Bart. J'étais là quand elle est arrivée, on l'a mis dans un box et malgré le fait qu'elle était toute petite, elle avait un sacré caractère. Elle mordait tout le monde, hein, moi aussi. Et je me suis assis quelques heures avec elle dans le box et j'ai commencé à faire ça plusieurs jours par semaine et de fur et à mesure, on est tombé amoureux. Aujourd'hui, Gâchette est curieuse et adore les câlins, surtout ceux de Bart. Il est devenu bénévole au refuge 1 an après sa compagne Stéphanie et son fils Ethan. C'est complètement autre chose que la vie normale. Et pour moi, j'ai toujours aimé les animaux sauvages et ici j'ai eu l'opportunité d'être très proche d'une bête sauvage. Même si la plus sauvage, et ça, c'est une détente. Parmi les pensionnaires, certains sont depuis peu de temps au Rêve d'Abby. Souvenez-vous, Epona et son poulain Mesikin sont arrivés suite à une saisie à Fleurus. Toutes deux sont en bonne santé. Petit à petit, on voit qu'elles commencent à reprendre. En tout cas, l'encolure reprend, le ventre reprend. Évidemment, il y a encore du travail, mais comme je l'avais déjà expliqué aussi, il faut aller tout doucement. Mais elle est en pleine forme, la petite est en pleine forme, elle a toujours du lait en bonne quantité. Donc je pense qu'on est bien parti, en tout cas. Et psychologiquement, ça y est, elle s'est vraiment apaisée aussi, elle a compris. Donc maintenant, elle est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Même si leur évolution est rassurante, Vincent préfère rester prudent. A priori, on est bien parti, mais il faut toujours être encore vigilant. Voilà, parce que le risque zéro n'existe pas. Vincent et Sophie ont évidemment connu beaucoup de moments de doute depuis qu'ils ont créé le Rêve d'Abby, mais ce sont leurs protégés qui leur donnent la force de continuer leur projet. Moi, c'est eux mon moteur, c'est clair. Et d'en voir autant qui ont vraiment, qui ont tous vécu une renaissance, ça me donne la hargne pour aller encore plus loin, en fait. Pas forcément plus loin en termes de nombre d'animaux, mais aussi en termes de sensibilisation, de projet. Et en fait, essayer d'attaquer le problème à la source et plus juste être une sorte de plâtre à ce qui se passe sur un animal ou l'autre.
Et ça, c'est important parce qu'en soi, si on ne sensibilise pas, c'est quelque chose sans fin. Tim le montre bien et comme lui, Abby, Olaf, Horizon, Robin, Anakin, Rose, Epona, Mezikin et tous les autres protégés du rêve d'Abby sont reconnaissants envers Sophie et Vincent qui leur ont créé leur paradis.